Thank you for being here. So I'm a lecturer in social studies. I teach political philosophy. I'm also the co-chair of the study group on the European Union here at the Center for European Studies, together with my co-chairs, Vivian Schmidt, Hannah Calloway, who's not here yet, but she's coming soon, and Carl Kaiser. This is our second event this semester. I want to thank, in particular, of course, our speakers, whom I'm going to introduce soon, Barry Zakiari, but also all the people who work to make this event possible. So first of all, of course, the French consulate, and I want to welcome the new consul general, Mr. Arnaud Montret, who just arrived, and I hope that this will be the beginning of more events like this. And of course, the entire team of the consulate who has been with us for the very first moment and worked very hard for this event as well as for many other events that we've done together. I want to thank, of course, the entire Center for European Studies staff, who has also been with us throughout what has been a very anxious period of preparation. And then in particular, Jessica Nussenbaum, who is right here with me, who's an event planner that I'm going to introduce right now, who had the idea of this conference. So we talked about this together, and we really planned it together from day one. Without her, there would be no such event. And thanks to her, we're able to do something that rarely happens and for which I'm very proud, that is bringing together different publics. The usual public of the Center for European Studies, composed mostly of scholars and fellows, the French community, and also a lot of students. I'm very, very happy to see so many students, and I guess that some of you are college students, like undergraduates, and that's very happy, because you look so young. so thank you all for being here, and I very much hope that you'll be part of the discussion as well. Now, why this event? We are a few months before the European elections, and with multiple shadows in Europe, in the European Union, as of course we have shadows here. I don't like the term crisis, that's why I use shadows. So populism, of course, anti-immigration sentiments. And these are shadows and issues that are not only of the EU as a whole, but inside specific countries as well. And now France, of course, has a central place in the European project, and of course a very special place in history, history of human rights, but also colonial history. And recently, it's very much in the news, it's been in the news because of all these issues around integration, and also here at Harvard, because of a lot of French specificities that the American public has trouble understanding. For instance, French republicanism or laïcité, which we're trying to explain to the students, it's not always very easy. And I hope that our speaker will understand us, help us understand this more. So I'm not going to say much about Barry Zakiari's biography, in part because we asked her to do a speech which will be biographical. She is a former vice president of the French Senate, current president of the Institute for the Cultures of Islam. And if you haven't heard of that institute, that's normal. I mean, many of us didn't know it either, but it's a very, I realize it's a very, very important place. A former member of the Socialist Party, one of the first advisors of President Macron, and he's a representative on the board of Alif, which is a newly created foundation whose aim is the protection of cultural heritage in zones of conflict. Barry Zakiari moved to France when she was very young. She did studies in business administration at the University of Paris. She was a regional delegate for tourism in the Île-de-France and departmental delegate of national education from Paris. She became a senator with the Socialist Party in 2004, representing the city of Paris, then vice president of the French Senate. She has been a knight of the French National Order of Merit since 2001 and recipient of the Legion d'Honneur in 2018. In 2013, so I'm saying things that are not in her speech, right? So she presided the discussions at the Senate on the Taubira Law on the opening of marriage to same-sex couples, which she supported. And in 2016, she became the president of the Institute of Cultures of Islam. She was named National Delegate of the En Marche movement, together with seven other personalities of French political and economic life. And she is a member of the Collegial Direction of République En Marche.
and now at the board of Aleph. Bariza Kiari used her experience as a Muslim woman to fight against sexism and racism, as well as other experiences of what I think are mostly fear. The account that she would give us today is unique. It's not your typical academic discourse, if that's the kind of things that you're used to. It's a story of her life through which one sees not only the issues of inclusion and diversity, this is the title of the talk, but also I hope, and I hope the discussion will go there, ways to confront them as we approach the European elections. Now, after the talk, the discussion will be moderated by Arthur Goldhammer, who is well known, of course, in this milieu. Art is a four-time winner of the French-American Foundation Translation Prize for his translation of Alexis de Tocqueville, The Ancien Régime and the French Revolution and Democracy in America. And of course, his recent translation of Thomas Piketty's book, Capital in the 21st Century, made the book a New York Times bestseller against all odds and all hopes, right? His blog on French politics, now called Tocqueville21.com, right, is amongst the most well-read, at least in this milieu. My guess is that he comments on events before they even happen. I'm not sure how he manages to do it. But if you want to follow the news, first read the blog, and then you can follow the news on CNN. We're deeply thankful for his time, especially knowing that he has to go to a conference tomorrow, I believe, on Tocqueville. Now, Bariza Kiari's talk will be in French, and we will be projecting the translation here, right? Thanks to our dear translator and interpreter, Vanessa Darling, who is with us. It's the first time we're doing this, and we hope it will work, and we're confident it will. Vanessa will also help us with a consecutive translation during the discussion. So you can address the questions either in French or in English, right? And then Vanessa will help. Now, again, I'm very pleased to see so many, I think, students of French language and culture, and I hope that you'll have the chance to participate in the discussion as well. Now, before giving the floor to the speaker, I would like to thank Jessica one more time and ask her to say one word. Thank you. Thank you, Nicolas. I'd just like to thank the Center for European Studies and Harvard for enabling this project, and especially Nicolas Prevelakis and his team for really supporting and welcoming the idea almost over a year ago now. Thank you to our partner also, the Consulate General of France in Boston, and especially Latifa Bentiri, our cultural attaché, and Judith Guillou. Well, it's very heartwarming to welcome Bariza Kiari, such an inspiring woman, especially for her first trip to Boston. And welcome to her son, Walid, also, who came all the way from Northern California, especially for the conference tonight. And I know the discussion will be very interesting, and I hope we all enjoy a wonderful evening together. So I think we can switch to French now. And je passe la parole à Bariza Kiari. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de remercier en premier lieu le Centre d'études européennes, et particulièrement Nicolas Prevelakis et Jessica Nussenbaum, qui ont été les artisans de ma visite et de cette invitation. Invitation à laquelle j'ai été très sensible. Il m'a été demandé de ne pas faire une conférence académique. Ça tombe bien, je ne sais pas faire. Mais d'évoquer mon parcours avec en regard les évolutions et ou stagnation ou régression de la société française. Alors, je vais donc m'attacher à dérouler tout un processus qui a permis à une petite fille d'immigrés algériens de devenir parlementaire, première vice-présidente du Sénat, juge à la Cour de justice de la République, déléguée nationale d'Emmanuel Macron, alors candidat à l'élection présidentielle, et actuellement
représentante personnelle du président de la République au conseil de d'administration d'une fondation qui a pour mission la réhabilitation du patrimoine dans les zones du conflit. Et malheureusement, il y a beaucoup de travail. Alors, le début de mon histoire est marqué par la colonisation. Je suis née en fin 46 en Algérie, dans un endroit improbable, au cœur d'un village à l'est de l'Algérie. Plus fort ? Voilà. Donc, je suis née en 46, après, en Algérie, dans un endroit improbable, au cœur d'un village à l'est de l'Algérie. Mon père, qui avait immigré en France, est venu me chercher avec ma mère. Je suis arrivée en France à l'âge de 3 mois. Ma naissance, je suis née française, puisque l'Algérie était à l'époque un département français. Ma naissance est intervenue quelque temps après les événements de 1945 à Sétif. Mohamed Harbi, historien, auteur avec Benjamin Stora d'un ouvrage important, La guerre d'Algérie, fin de l'amnésie, nous rappelle, dans un article récent du Monde diplomatique, la face cachée de la Seconde Guerre mondiale. Et il écrit, avec Benjamin Stora, le 8 mai 1945, tandis que la France fêtait sa victoire, son armée massacrait des milliers d'Algériens à Sétif et à Guelma. Ce traumatisme radicalisera irréversiblement le mouvement national algérien. Je suis donc née sur une terre ensanglantée par ces massacres. Ils seront le point de départ de l'engagement de mes parents dans ce qu'il est convenu d'appeler ou de nommer les événements d'Algérie. Le militantisme de mes parents fondera donc mes engagements. Mes parents, alors qu'ils habitaient en France, ont fait partie des différents mouvements nationalistes qui luttaient pour l'indépendance jusqu'au jour où ils ont été arrêtés et emprisonnés pour leurs idées. Ma mère a été emprisonnée, ce qui était extrêmement rare pour une femme à l'époque, pour des raisons politiques. Mon père a été exilé en Algérie, dans la célèbre prison Barberousse, pour purger sa peine. J'ai donc baigné dans un milieu où il y avait une soif de justice et d'égalité. Et j'ai compris très tôt que l'engagement et l'aspiration à l'égalité avaient un prix. Mon engagement politique trouvera naturellement ses fondements dans le militantisme de mes parents. En 1962, au terme d'un conflit très violent, de presque une dizaine d'années, et surtout depuis plus d'un siècle d'occupation coloniale, l'Algérie devient indépendante. C'est l'aboutissement du combat de mes parents. À cette occasion, ils ont réuni leurs enfants pour leur dire la chose suivante, et qui après a déterminé beaucoup de choses pour moi. Mon père l'a dit la chose suivante, « La France est votre pays. Certains d'entre vous sont même nés en France. Les combats que nous avons menés sont ceux de notre génération. Ils ont été nombreux. Non, surtout, n'oubliez jamais que des camarades français ont été à nos côtés. Et ils ont été nombreux. Ce n'était pas un combat contre les Français, mais un combat contre un système colonial. La France est votre pays d'accueil. Vous y êtes nés, vous y vivez. Nous avons mené nos combats. Trouvez les vôtres. » Ce narratif m'a permis de mettre à distance la période coloniale qui avait touché ma famille. Les propos de mes parents m'ont profondément marqué et ont été pour moi un fil rouge. Il ne s'agissait pas de vivre dans le passé et de ressasser les souffrances, mais de jouir du présent et de préparer l'avenir. Quelques années plus tard, une autre histoire se déroulait sous nos yeux. Le mouvement de contestation étudiant qui a ébranlé la société française par une remise en cause de ses valeurs traditionnelles. Mai 68. Et je vous invite à visiter l'exposition qui est à côté. Ces événements ne m'ont impacté en aucune manière. En effet, avec mon propre vécu, j'avais du mal à comprendre ce besoin de liberté pour des personnes qui étaient déjà libres. Je passe donc
rapidement sur cette période scolaire et d'étudiante pour évoquer mes engagements, objet de cette intervention. Mes engagements d'abord dans la société civile. Mon premier engagement se fera à OMRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. J'y ai fait des rencontres exceptionnelles. Ma conscience politique s'est forgée dans des débats interminables et surtout dans une ambiance fraternelle. Mariée et mère de 3 enfants, je me suis investie dans l'association des parents d'élèves du collège et du lycée Janson de Sailly à Paris. L'école publique, gratuite, laïque et obligatoire, m'a tant apporté que d'investir dans l'association de parents d'élèves était pour moi une évidence. Sur le plan professionnel, j'ai fait pratiquement toute ma carrière dans la fonction publique pour terminer avant d'arriver au Sénat. Comme chef d'un service de l'État, j'ai été déléguée régionale au tourisme, Paris-Île-de-France. Et là aussi, je me suis engagée dans un syndicat qui m'apparaissait le plus réformiste, la CFDT. Par ailleurs, au plan local, j'avais accepté en 1995 d'être sur la liste aux élections municipales au titre de la société civile en position non éligible. Jusqu'alors, compagnon de route du Parti socialiste, ces différents engagements associatifs m'ont amené à adhérer au parti. Mouvement qui me semblait le plus proche de mes valeurs. Militante dans mon arrondissement, j'ai été élue à la tête de l'importante section du 16e arrondissement de Paris. La vie politique suit son cours et nous devons présenter des candidats pour d'autres élections, les législatives. Il est évident que le 16e arrondissement de Paris, qui est un des quartiers les plus chics de la capitale, n'était pas une terre de gauche. C'est le moins qu'on puisse dire. Et que notre candidat avait, lui, par contre, une vraie garantie, celle de perdre l'élection. Mais il nous fallait absolument présenter un candidat. Aucun militant n'était intéressé. Principal responsable de la section, je me devais de me dévouer. Je fais une belle campagne. Ces moments vraiment sont extrêmement riches car ils permettent de rencontrer les habitants et d'évoquer leurs problèmes quotidiens. Ce que j'appréhendais comme une corvée s'est avéré être un plaisir. Je fais un score plus qu'honorable en battant le candidat du Front National et m'engage pour la suivante élection législative, vous l'aurez compris, toujours aussi ingagnable. Nous arrivons en 2000 pour préparer les prochaines élections municipales. Naturellement, je présente ma candidature pour être bien sûr en position éligible. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, on m'a gentiment dit, entre autres amabilités, qu'avec un nom comme le mien, j'allais plomber la liste. Stupéfaction, alors que je n'avais jamais été confrontée au racisme ou aux discriminations, c'était dans mon propre parti qu'on me renvoyait à mes origines. Le choc fut assez rude. Ces propos, s'ils avaient été tenus au Café du Commerce, étaient passibles des tribunaux. Mes camarades ne se rendaient même pas compte des dégâts qu'ils étaient en train de faire. Détenir une carte du Parti socialiste, c'était finalement pour eux comme s'ils détenaient un viatique de non-racisme. Ces propos et cette discrimination n'étaient pas en phase avec les valeurs du parti. Ce jour-là, la peur m'a quittée et j'ai décidé de ne jamais accepter l'inacceptable. J'ai donc poursuivi devant la commission des conflits des camarades avec lesquels j'avais milité pendant de nombreuses années. C'était très difficile, mais je l'ai fait. Aidée par mon courant au sein du parti, j'ai toujours fait partie du courant des amis de Laurent Fabius et après avoir suivi toutes les procédures, j'ai gagné au terme d'un vote du Conseil national, qui est le parlement du parti. J'étais rétablie dans mes droits et donc j'ai retrouvé la 2e place sur la liste pour les élections municipales. Après de nombreuses années de militantisme, j'ai été enfin élue en 2001 pour la première fois conseillère à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Mais ce conflit a laissé des traces. Il a eu toutefois un double avantage. Il m'a fait comprendre la dureté de la vie politique et m'a permis de trouver mon combat, la lutte contre les discriminations de toute nature. Après cette douloureuse expérience,
J'ai regardé de près la manière dont le Parti socialiste traitait ces questions et j'ai dû me rendre à l'évidence. Elles n'étaient pas traitées, justement. En effet, le parti avait ses sous-traitants. L'écologie pour les Verts, les quartiers populaires au Parti communiste et la question de l'égalité à une association qui s'appelle « Touche pas à mon pote » qui, à cette époque, organisait de grands concerts contre le racisme. Sauf que jamais un travail sérieux n'avait été entrepris pour lutter contre les discriminations ou pour la promotion de l'égalité. Car il s'agit là d'un travail qui dépasse le plus souvent un quinquennat et qui nécessite un réel engagement. Bref, la lutte contre le racisme a été la bonne conscience de la gauche. Cette bonne conscience et ces grands concerts n'ont pas permis en 2002 le maintien de notre candidat Lionel Jospin à l'élection présidentielle face au candidat de l'extrême droite Jean-Marie Le Pen. C'est dire l'échec de cette stratégie. Pour la première fois de notre histoire, l'extrême droite arrivait au second tour de l'élection présidentielle. C'était un tsunami politique. Après l'élimination de notre candidat à l'élection présidentielle, un congrès s'est tenu en 2003 à Dijon. J'ai présenté une contribution intitulée « Luttons contre les discriminations au sein du Parti socialiste » qui a été signée par de nombreux responsables. Alors, comme l'analyse de l'échec devenait prieuse pour la cohésion du parti, on m'a demandé de faire le résumé de ma contribution à la tribune. J'ai été applaudie debout par 5000 congressistes. Je me suis demandé pourquoi. Ben, les éléphants du parti étaient en désaccord sur tout, ce qui a permis à ma résolution d'être adoptée. Et depuis, au Parti socialiste, on se préoccupe d'une certaine mixité, parité et diversité sur les listes afin de représenter la France dans toutes ses composantes. C'était vraiment ma première victoire. Ce discours au congrès de Dijon m'a valu, sur le quota de Laurent Fabius, une entrée au bureau national du parti, un portefeuille de secrétaire national en charge du service public, ainsi que la sollicitation des médias. Seul dans les instances du parti à ne pas avoir de mandat national, Laurent Fabius m'a demandé de présenter ma candidature en 2004 au Sénat. Avec son soutien, j'ai fait campagne auprès des grands électeurs et je me suis retrouvée investie deuxième sur la liste à Paris. J'ai été élue pour la première fois à un mandat national. Alors, prise de fonction au Sénat en 2004. Énorme surprise. En arrivant le premier jour au Sénat, le président du Sénat m'a proposé le fauteuil numéro 1, celui de Victor Schœlcher, l'homme politique qui a obtenu l'abolition définitive de l'esclavage en France par un décret d'abolition de l'esclavage du 18 avril 1848. Victor Schœlcher a consacré sa vie à cette cause. Aimé Césaire a dit de lui, dans l'introduction de son livre « Esclavage et colonisation », je le cite, « Victor Schœlcher a rejoint la lignée de l'homme révolutionnaire, celui qui se situe résolument dans le réel et oriente l'histoire vers sa fin. » Très bel hommage. Ce fauteuil devient par la suite celui de Gaston Monnerville, petit-fils d'esclave, seul et premier homme de couleur à avoir été président du Sénat. Gaston Monnerville, grand orateur, homme inclassable, il fut ce républicain qui défia le général de Gaulle en l'accusant de forfaiture lors d'un débat sur la réforme constitutionnelle de 1962. En 2004, une petite fille d'immigrés algériens, de confession musulmane, de surcroît, allait exercer son mandat à partir de ce fauteuil. Les larmes aux yeux, je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard. C'était un signe, cette place m'oblige à être dans la continuité de leur combat. Pour résumer, l'abolition de l'esclavage va permettre à un petit-fils d'esclave de devenir parlementaire puis président de l'institution, et à une petite fille d'immigrés algériens dont les parents ont lutté pour la décolonisation, son entrée au Sénat, et d'y diriger les débats. Certes, nous sommes dans un temps long,
mais ce sont les belles évolutions d'une France qui commence, malheureusement, à être touchée par l'extrême droite et son discours raciste. Cet héritage m'oblige, en plus de mes responsabilités dans les différentes commissions du Sénat, je me suis employée à traquer dans tous les textes les discriminations possibles. J'ai porté le texte sur la transposition de la directive européenne portant création d'une haute autorité de lutte contre les discriminations, de nombreux amendements sur le curriculum vitae anonyme, sur la place de la diversité dans les médias, également un texte pour l'ouverture des emplois fermés aux étrangers, c'était reliquat de la période de Vichy, un autre texte sur les médecins à diplôme étranger exploités dans nos hôpitaux, ces médecins étaient devenus la variable d'ajustement du budget des hôpitaux, et bien d'autres textes encore. La rupture avec la gauche de gouvernement, le plus difficile de ma vie de parlementaire, a été celui où je me suis opposée aux miens. Oui, c'était les miens, ceux de mon propre parti, qui ont osé proposer un texte sur la déchéance de nationalité. Texte complètement contraire à nos valeurs, mais ô combien il est difficile de s'opposer aux siens. Ce texte venait d'être voté à l'Assemblée par des camarades. Il arrivait pour examen au Sénat. Ce n'était pas le moment de baisser les bras. Ce texte indigne ne devait pas passer. J'ai à mon actif d'avoir mené le combat en me disant qu'il fallait que je fasse honneur à mes prédécesseurs et que seuls les combats qui ne sont pas menés sont perdus d'avance. J'ai donc organisé la riposte en essayant de trouver des appuis. Heureusement, il y a dans cette belle institution qu'est le Sénat de vrais républicains et au sein de tous les groupes politiques. Mon plaidoyer dans la discussion générale demandant le rejet du texte portant déchéance de nationalité dans la Constitution, pas un texte banal, hein, ainsi que le soutien de certains membres de mon groupe politique, ont payé, puisque le gouvernement, mesurant le rapport de force, a retiré ce texte. François Hollande, encore président de la République, dira quelques mois plus tard, je le cite, « J'ai un regret, celui d'avoir proposé d'inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution. Je mesure aujourd'hui le trouble que cette mesure a pu créer. Mais pour moi, le mal était fait. » Je ne me reconnaissais plus dans cette gauche-là. La montée de l'extrême droite, les miasmes coloniaux encore à l'œuvre et une certaine islamophobie ambiante ont eu raison des valeurs d'une gauche humaniste et internationaliste. Malgré la montée des populismes, certaines avancées étaient possibles puisque j'avais été élue par mes pairs, première vice-présidente du Sénat, dont j'ai présidé les débats durant 3 ans. Il faut dire que mes collègues avaient eu le temps de me connaître et il y a un moment où, il faut aussi le reconnaître, la méritocratie est encore une valeur sûre. Les compétences effacent l'appartenance. Oui, à partir du moment où vos compétences sont reconnues, on oublie que vous êtes une femme, on oublie vos origines, mais encore faut-il avoir l'occasion de faire valoir ses propres compétences, ce qui n'est malheureusement pas toujours possible. J'ai été aussi sollicitée par des collègues, pourtant adversaires politiques, pour présenter ma candidature à la Cour de justice de la République. Quand j'ai demandé les raisons de cette sollicitation, un ancien ministre devenu sénateur m'a dit, qui était quelqu'un de droite, m'a dit « Parce que tu vas juger comme tu as présidé, tu jugeras les faits, pas les acteurs. Et c'est important pour nous tous. » La Cour de justice de la République, juridiction d'exception, juge les délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Largement élu par mes collègues, j'ai exercé parallèlement à mon mandat de sénateur cette fonction durant 6 ans. Et j'ai eu à siéger dans les 2 procès du ministre Pasqua et celui plus récent de Madame Christine Lagarde, ancienne ministre de l'économie et des finances, actuellement directrice générale du FMI. Expérience passionnante puisqu'elle implique d'écouter, de s'interroger en permanence, de douter souvent, de tenter de comprendre toujours et surtout d'essayer de faire la part entre l'erreur, le mensonge et la sincérité. J'ai gardé des liens d'amitié avec des collègues
qui, comme moi, ont été confrontés à cette expérience unique. Maintenant, je vais évoquer ma rencontre avec l'actuel président de la République, qui n'était pas encore à l'époque, Emmanuel Macron. Je l'ai rencontré pour la première fois en 2014, dans ses fonctions de ministre d'économie, de l'industrie et du numérique, lors de la présentation au Sénat du texte dit « Loi Macron » portant sur la croissance et le pouvoir d'achat. J'ai été frappée par son énergie, par sa capacité à ne jamais laisser d'angle mort dans son argumentation et surtout par sa force de conviction. J'ai apprécié le fait qu'il a failli démissionner sur la question de la déchéance de nationalité. Il y a renoncé car cette question ne faisait pas partie de son périmètre ministériel. Il reste un des rares ministres du gouvernement à avoir critiqué ouvertement cette mesure et je me souviens d'un propos, je le cite, « Cette mesure me procure un inconfort philosophique ». Enfin, un ministre qui s'exprimait sur ce qui était pour moi une déchirure. À partir de ce moment, j'ai commencé à le suivre, à suivre avec davantage d'attention ses déclarations. D'une très grande lucidité, il disait déjà, je le cite, « La société statutaire où tout sera prévu va inexorablement disparaître ». Il avait compris, avant d'autres, que les événements qui transforment durablement le monde passe toujours inaperçu aux yeux de nos contemporains et que c'est quelque part en Californie, autour de Palo Alto, que le nouveau monde est en train de se dessiner. J'avais noté aussi que son rapport à la transcendance l'amenait à avoir un rapport sain à la laïcité, qu'il militait pour l'émancipation et pour la responsabilité de nos concitoyens. J'avais, de mon côté, évolué sur la société du travail. Et j'ai dû constater qu'Uber, ou enfin tout ce système de l'ubérisation de la société, l'ubérisation des transports, avait fait davantage pour les jeunes des quartiers populaires défavorisés que 30 ans de politique publique. Ceux qui avaient enfin trouvé un travail, même dans des conditions difficiles, avaient retrouvé de la dignité. Les discriminations à l'œuvre leur permettaient de trouver plus facilement un client qu'un patron. C'est donc tout naturellement que je me suis retrouvée un jour dans son bureau et après une très longue discussion, je me suis dit, il a le charisme d'un chef, il est brillant, structuré, il coche beaucoup de cases, c'est la relève, il mérite qu'on le soutienne. Le reste est connu, la rupture avec le président Hollande, la démission de son poste de ministre, premier meeting, constitution du mouvement En Marche, avec une poignée de personnes. Nous avons vécu une campagne présidentielle qui a été gratifiée par la victoire à l'élection présidentielle. Et je me suis réveillée le lendemain de la victoire avec ce sentiment bizarre, moi qui suis très honnête, d'avoir braqué une banque. Je m'honore d'avoir été un premier soldat de la première heure, comme Emmanuel Macron désigne ceux du premier cercle, et sa déléguée nationale durant la campagne électorale. Après la victoire aux législatives, j'ai dirigé le mouvement La République en marche avec deux complices, dont une qui avait fait Harvard, Astrid Panossian, jusqu'à la réalisation de la promesse démocratique qui sied à tout mouvement politique. Le délégué national du mouvement a été élu fin 2017. Je reste depuis au bureau exécutif car il faut maintenir un socle de confiance pour veiller à l'ADN qui a fait le succès de notre mouvement. Malgré les pressions amicales, j'ai refusé de me présenter pour un troisième mandat au Sénat, considérant que la politique n'était pas un métier et qu'il était nécessaire de renouveler le personnel politique. J'ai décidé de m'appliquer à moi-même le non-cumul des mandats dans le temps. J'ai également refusé un Marocain ministériel, considérant qu'il fallait que le président de la République soit accompagné d'une jeune génération. Il était pour moi temps de tourner la page pour m'occuper d'un sujet auquel je tiens beaucoup, la visibilité des cultures d'islam. Et j'en viens à l'Institut des cultures d'islam que je préside. Comme vous le savez, puisque je l'ai dit, je suis de confession musulmane et je me définis, au regard de cette question, comme farouchement républicaine et sereinement musulmane. Cette phrase a été difficile à exprimer pour la parlementaire que je suis, la parlementaire que j'étais, dans un pays qui a un rapport complexe à la religion du fait de son histoire.
L'islam étant devenu un sujet éminemment politique, je ne pouvais pas être dans le déni d'un aspect qui me constitue. Et surtout, il n'était pas pour moi question de laisser le champ libre aux tenants d'un islam radical. Malheureusement, on droit au chapitre médiatique, les obscurantismes d'un côté et les islamophobes de l'autre, dans une mise en scène redoutablement efficace de légitimation mutuelle. La laïcité à la française est devenue un des premiers sujets du débat public et un enjeu de société. Il est vrai que la visibilité de l'islam dans l'espace public à travers le port du voile, par exemple, pose problème dans une société sécularisée. Cette visibilité à travers les apparences et le vestimentaire a fait perdre, malheureusement, à l'islam toute sa dimension verticale, sa dimension religieuse et spirituelle. Toutes les enquêtes témoignent d'une défiance grandissante de la population française envers les musulmans depuis le 11 septembre 2001, amplifiée depuis les terribles attentats sur notre sol. Dans ces études sont évoqués le fait que la polarisation contre l'islam est la plus constante, la plus ancrée, ainsi que la montée de l'intolérance anti-musulmane. Le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, regrettant qu'il soit, et je le cite, « de plus en plus difficile d'être musulman en France », qualifie de très malade une société qui cherche des boucs émissaires. Dans ce rapport de 2013, la Commission nationale consultative des droits de l'homme revient sur l'usage de la notion islamophobie pour lui reconnaître sa validité et constate que le racisme a subi un profond changement de paradigme dans les années postcoloniales avec le glissement d'un racisme biologique vers un racisme culturel. On peut certes relativiser ces analyses et souligner qu'elles expriment les angoisses d'une société en pleine crise économique, sociale, morale, et que ce désarroi collectif profite aux populistes. En fait, le débat n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'islam ou les musulmans, mais l'urgence absolue est de rétablir les conditions d'existence d'une république apaisée. J'ai toujours pensé que la culture pouvait être un élément apaisant, parce que je fais mienne cette phrase d'un grand maître soufi, Ibn Arabi, qui écrit dans un texte très très vieux que les hommes sont les ennemis de ce qu'ils ignorent. La culture a toujours été pour moi le meilleur rempart contre les préjugés et l'obscurantisme. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de présider l'Institut des cultures d'islam. Cet établissement culturel de la ville de Paris a été créé par l'ancien maire Bertrand Lannoé. La vocation de cet institut est de faire connaître les cultures d'islam, de montrer leur diversité à travers le monde, de renouer avec leur patrimoine, leurs traditions et leurs figures tutélaires, tout en découvrant leur dynamisme dans la création contemporaine notamment. Alors depuis 3 ans, je m'emploie à faire connaître à nos concitoyens la diversité des cultures d'islam et à combler les lacunes culturelles de jeunes musulmans qui fréquentent l'Institut et pour qui la transmission des valeurs d'islam n'a pas été faite. À rapprocher les communautés, en travaillant avec des artistes de la communauté juive par exemple, car la montée de l'antisémitisme en France est malheureusement une réalité, à donner à voir tout ce qui rapproche ces communautés à travers des concerts de musique arabo-judéo-andalouse, à travers la cuisine et certaines traditions communes, à organiser des conférences où le débat est parfois rude mais nécessaire, à faire vivre un espace intitulé Islam Lab permettant à des jeunes artistes de trouver un lieu pour présenter leurs créations, à rappeler que l'islam n'est pas en rupture ni avec le judaïsme ni avec le christianisme, mais qu'il en est le continuum, à travers tous les prophètes d'Abraham, de Moïse au prophète Mohammed, paix sur lui, en passant par Jésus que se remémorent les musulmans dans leur litanie depuis la nuit des temps. L'objectif est d'éveiller les consciences à l'altérité et à la citoyenneté, car il y a des vents contraires. Les tenants d'un islam radical considèrent l'exercice de la citoyenneté comme une perversion occidentale. Il nous faut expliquer et réexpliquer qu'il n'y a pas d'antinomie entre la spiritualité et la citoyenneté, bien au contraire, que la véritable citoyenneté prend ses racines dans les profondeurs de l'être et que la véritable spiritualité s'incarne dans les actes citoyens de chaque jour.
Je suis obligée de m'arrêter là sur le sujet parce qu'il y aurait tant à dire. Enfin, j'ai accepté d'être la représentante du président de la République et vice-présidente d'ALIF, une fondation internationale dotée par les États de moyens conséquents pour la réhabilitation du patrimoine dans les zones de conflit. En détruisant le patrimoine de l'humanité, Daesh a cherché à nier l'histoire collective et à empêcher l'exercice de la mémoire. C'est la raison pour laquelle la France, avec d'autres pays, a décidé de créer une structure commune pour réparer les outrages à nos biens communs. Nous avons donc décidé de procéder pour l'année à venir à la réhabilitation du musée de Mossoul, à la réhabilitation des tombeaux des saints soufis au Mali, ainsi que d'un monastère chrétien au nord de l'Irak. D'autres projets sont bien sûr à venir. Et je dois vous dire, là je fais une parenthèse, que le directeur exécutif de cette structure est votre ancien consul Valérie Freland. C'est un garçon formidable. Alors en conclusion générale, je dirais que évolution, stagnation, voire régression, ainsi va le cours des choses dans toute société humaine. Et pour le sujet qui nous concerne, je peux dire que la régression peut être illustrée par le fait qu'il serait difficile aujourd'hui pour un homme de couleur de devenir en France le deuxième personnage de l'État, alors que c'était possible il y a une cinquantaine d'années. La résurgence d'un discours xénophobe nous invite à méditer les paroles de François Mitterrand, qui rappelait que l'égalité est toujours un combat. L'évolution, elle, peut être illustrée par l'émergence, parce que je suis là aujourd'hui, par l'émergence d'une classe moyenne issue de l'immigration et des diasporas, ainsi que d'une véritable élite. Cette élite est en train de se construire individuellement, mais n'a pas atteint le niveau critique pour s'organiser collectivement. Les dramatiques attentats sur notre sol ont montré combien la société française est une belle société, la société est résiliente, parce que nous avons collectivement conscience, tous ensemble, que parmi nos concitoyens, victimes de ces attentats, il y avait de nombreux musulmans, et qu'à travers le monde, ils sont les premières victimes de la folie meurtrière de Daesh. Lors de la dernière élection présidentielle, le peuple français a aussi montré qu'il souhaitait éloigner le populisme, mais il ne serait absolument pas responsable de sous-estimer son influence. L'émergence d'Emmanuel Macron dans le jeu politique représente peut-être le dernier sursaut d'une société qui en avait assez de l'alternance gauche-droite, mais qui savait à minima se retrouver sur l'essentiel, la République. N'oublions pas qu'en Italie, Renzi, le réformateur, a précédé Salvini comme Obama, le modèle positif d'identification pour beaucoup d'Américains, a précédé Trump. Alors face à la montée des populistes en Europe, où la France, malgré ses problèmes, ferait presque figure d'exception, le président Macron est condamné à réussir et à fédérer autour de lui ceux qui ont une même vision du monde. Ils doivent trouver ensemble les voies de passage pour humaniser une mondialisation qui fait peur à nos concitoyens. C'est cette peur qui produit les populistes, aujourd'hui organisés en mouvement à travers l'Europe. Ce moment de l'histoire européenne rappelle avec justesse la célèbre citation de Gramsci que vous devez tous connaître. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. L'élection européenne à venir est celle de tous les dangers. Les humanistes progressistes seront-ils assez nombreux pour enrayer ce populisme qui métastase l'Europe en affirmant par exemple que l'accueil des migrants, le droit d'asile ne sont pas négociables, que les discriminations ethniques ou religieuses n'ont pas leur place dans l'espace européen et que la diversité est une richesse. Les humanistes progressistes seront-ils en capacité de rejeter la bureaucratie excessive de Bruxelles pour définir une politique européenne tournée vers les peuples? Ce serait tenir là la promesse du partage, non seulement des ressources, mais des possibilités, celles qui permettent à chacun de sentir qu'il compte et qu'il peut évoluer. Je n'ai pas la réponse, mais je dois avouer une crainte qui tient dans cette citation du général de Gaulle que rien ne se construit en dehors des réalités. Alors une conclusion peut-être plus personnelle, très relativement courte, si je dois dresser un bilan. Je dirais que le moment dont découlent tous les autres est pour moi celui où la peur m'a quittée, car j'ai tout osé. Que mon action au sein de la Haute Assemblée
n'a pas été aussi spectaculaire que celle de mes illustres prédécesseurs. Mais je m'honore d'avoir fait bouger les lignes par des petites avancées, par le travail parlementaire, par des tribunes, par des conférences, par des motions, des contributions, des ouvrages. J'ai participé avec d'autres à la prise de conscience du fait que les discriminations, quelle qu'en soit la nature, étaient des morts sociales pour les personnes concernées et un véritable obstacle à la cohésion nationale pour la collectivité. Si je dois définir en quelques lignes, en quelques mots, mon parcours, je dirais que je suis une anomalie statistique. Le président Macron pourrait en dire autant. Lui qui a admis que son mandat était le fruit d'une brutalité de l'histoire, d'une effraction. Enfin, j'ai rencontré des personnes plus méritantes et plus intelligentes, mais qui n'ont pas eu la chance de faire les mêmes rencontres que moi. J'ai donc la faiblesse de penser parfois que le destin dirige nos vies et les événements du monde et que j'ai bénéficié d'un fatum bienveillant. Mais j'ai parfois du mal à être fataliste, alors je reprends volontiers la belle formule de Sophocle : pour qui ne tente rien, pour qui renonce au premier obstacle, le destin ne fait rien. Je vous remercie. Okay, so now it's time for the discussion. So, Arthur. Well, thank you very much. Merci pour ce très beau discours. In order to leave as much time as possible for questions from the audience, I'm going to forego any comments of my own. I've been asked to say that for people watching in the overflow room upstairs, there will be paper circulated on which you can post questions, which will be delivered down here. So I will immediately open the floor for questions and particularly encourage the undergraduates in the audience to ask questions. Yes? I'm a graduate student in the ed school here. My question is, how challenging are the goals of Marie Le Pen in combating xenophobia? Quels ont été les obstacles, quels ont été les difficultés de Marine Le Pen? Yeah, I don't have a mic, so I hope everyone hears. I'm a graduate student here, so not undergrad, but I hope my question is welcomed. I actually have two questions. First, maybe just like a small remark. What you said really resonates with me as someone who was born and raised in France and who is of Moroccan descent. My dad did not go to school. My mom is illiterate. I'm at Harvard today. So what you said resonates a lot with me. My first question is, and correct me if I'm wrong, you have been a big opponent to ethnic statistics in France. Now, we are in a country that has a lot of racial issues here in the United States, and one of the main tools that this country and institutions, and elite institutions such as Harvard, have found to fight against those, you know, systemic racism and discrimination has been this tool of ethnic statistics that had enabled people to quantify the depth of the racism. So my question is, given the fact that this tool has enabled elite institutions to make tremendous progress in inclusion, although this battle is still a battle to be fought, why are you against this tool being used in France, besides the argument that last time we did it, we deported French Jews and delivered them to the Nazis? Because if the only fear we have is that we're going to deport Muslims, then that means we'll have bigger problems in France. So can you sum up your question quickly? Can you please explain why you are still against ethnic statistics, given the fact that they have enabled the USA to battle racial discrimination? Pourquoi est-ce que vous êtes contre les statistiques ethniques en France, même si on a la preuve que ça a permis de lutter contre le racisme? And you had a second question? Yes, if that's okay. Yes, sure. My second question is the following. So the history of Muslims in France is not a recent history. It has started in 1830 when France colonized Algeria
and colonized many Muslim countries, and we became part of France at that moment. So it's not a recent history. Throughout all these decades and actually centuries, it has been a long tradition in French politics to use figures that could speak to those minorities in order to tame them. In other words, it's a concept that's really known in political sciences, and it's called co-optation. Now, I agree with everything you said, and in your talk, you obviously pointed to all the issues in France. My question is, given the fact that you have experience in French politics, that a lot of people have used you as a token Arab, and that it is still a very predominant, technique in French politics, I can't wrap around my head how you consider that this government is not doing the same thing with you, given the fact that they implemented so many policies that go exactly against the interests of marginalized people, especially people of color, especially with the last reform, Parcoursup, that has shown in numbers that the first people who have been a victim of that policy are marginalized people of color. Given the fact that my question is that Donc ma question, c'est que, étant donné qu'on a une très longue tradition en France, dans la politique française, de ce qu'on appelle très vulgairement arabe de service, et que vous avez vous-même dit que le Parti socialiste vous a un peu utilisé pour ça, hein, c'est l'image de la diversité. Oula. Vous n'avez pas dit texto ça, mais ça revient à une forme de coordination. C'est grave ce que vous dites là. Bah oui, c'est grave, mais c'est ce qui se passe en politique française. C'est qu'on utilise des gens de la diversité pour faire croire qu'on n'a pas de problème avec ça, or ça ne fait pas disparaître le problème de racisme. C'est pas, je ne mets pas les mots dans votre bouche, c'est moi qui les utilise. Non, vous inquiétez pas. Donc, étant donné que c'est une très longue tradition française, et qui, personnellement, je ne pense pas, je pense qu'il n'a pas... Quelle est votre question, madame? Parce que si vous avez, une conférence à faire, vous venez ici. C'est juste pour bien placer ma question dans le contexte. Étant donné que vos engagements, eux, sont des engagements que je respecte totalement et pour lesquels j'ai la plus grande admiration, mais que je trouve être en contradiction totale avec le gouvernement actuel et les gouvernements précédents, de toute façon... C'est comment vous expliquez cette contradiction entre vos engagements qui, eux, conduisent à des bonnes politiques et qui vont dans le bon sens, étant donné que vous êtes engagé auprès d'un gouvernement qui a mis en place des politiques dont les personnes comme moi sont les premières victimes en France, comme Parcoursup. Bien. Who needs English translation here? Even though the question was stated. Yes, but I'm going to be translating the answer. Oui, alors, la demande de la traductrice, bien sûr. Alors, la question des statistiques ethniques, je reviendrai à Marine Le Pen dans la question des statistiques ethniques. Pourquoi je suis contre les statistiques ethniques? Parce que la France n'est pas comme les États-Unis, où il y a eu tout un système d'apartheid dans le passé, donc c'est pas du tout la même chose. Nos textes, à part quelques petites bricoles que j'ai pu enlever d'un certain nombre de textes, nous sommes dans l'égalité la plus parfaite. Sur le papier, c'est pas toujours vrai dans la réalité. So basically, the reason why I'm against using those statistics is that we are talking about two fundamentally different papers, different systems. And on paper, we didn't have, you know, like the US, some sort of apartheid. We have, on paper, pure, simple equality. Et donc, l'utilisation, ce que je craignais en étant contre, c'est que l'utilisation des statistiques ethniques serve la cause de Marine Le Pen. Parce qu'on peut utiliser les statistiques ethniques à bon escient et on peut les utiliser à mauvais escient. Ne sachant pas de quelle manière ça pouvait être utilisé, j'ai préféré être tout à fait contre les statistiques ethniques parce que ça ne ressemble pas à la République. Okay, so basically these statistics, they can be used for the good or they can be used for the bad, and not knowing how they were going to be used or not to give, you know, tools to Marine Le Pen for her to use them, I thought it would be better not to use them at all. Alors sur la question de Marine Le Pen, je ne peux que me réjouir de ses échecs. C'est la première chose. So regarding Marine Le Pen, I can only be happy with her failures. En plus,
dans son échec, entre guillemets, elle a fait la preuve de son incompétence et de son incapacité à faire des propositions et un projet pour le pays. And through her failures, she has shown her incompetence and her inability to do proposals and to move the country forward. Ça s'est vu notamment lors du débat avec Emmanuel Macron, le débat présidentiel entre les deux tours, incapable de proposer une mesure économique qui est de la tenue. Et donc les Français l'ont bien vu, même ceux de son propre mouvement. So it was particularly shown during the Macron-Le Pen debate, and that she showed that she didn't have the tools, she didn't have the material just to show she was able to propose anything concrete, and the French people saw it. Elle surfe beaucoup sur les angoisses des gens, sans rien proposer de vraiment solide en termes de projet pour le pays. She uses people's anxiety and fears without offering anything concrete for the country. Oui, maintenant je vais répondre à la jeune femme qui est très en colère, visiblement. Non? Si je parle comme ça. She's not angry, that's the way she speaks all the time. Alors, moi, je dois vous dire que je n'ai jamais eu le sentiment d'être une arabe libyenne. Jamais. Ma carrière, je l'ai commencée très jeune, carrière politique très jeune. J'ai mis 30 ans pour arriver là où je suis arrivée. Et donc, c'est pas un jour, j'ai vu de la lumière, on avait besoin de gens à une mélanine un peu différente, et j'ai tapé pour dire je suis là. Non. So my career was not of an alibi. I've never had the feeling I was being used. I never had the feeling that, you know, one day I saw the light, I knocked on the door, and somebody said, oh, we might be able to use you. J'ai commencé comme militante, adhérente, que j'ai collé des affiches. J'ai tenu des réunions de section. J'ai été secrétaire d'une section. Okay, I had a strong political evolution. I started being an activist. I was putting signs on the walls on the street. I was head of a party. Je suis devenue secrétaire fédérale du mouvement à Paris, puis secrétaire nationale, élue locale et élue nationale. So the evolution just continued on a federal level and a national level. Et ma parole porte autant que celle d'un collègue qui va être, entre parenthèses, comme l'a dit le président Obama, gaulois. Okay, and my word is just about as strong as a Gaulois, so as a French-born French. Et au Sénat, je n'ai pas senti de différence en termes de carrière entre mes collègues et moi. Donc le terme de Arabe à Libye, je le conteste, non pas que il me dérange. So basically this term, this Arab alibi, just bothers me because while working at the Senate, I've never really felt any difference between me and my colleagues. Et c'est ce type de propos fait que certaines personnes n'osent pas s'engager, ne veulent pas s'engager, alors qu'ils ont une parole à porter. And it's because of this type of terms, this type of words, some people are afraid to become committed and to have basically to say what they have to say. Je vais répondre d'une phrase à votre propos. Moi, vous savez, il y a un oiseau qui s'appelle le colibri. Et le colibri, un jour, il y a eu un incendie et il fallait faire quelque chose. Les pompiers sont arrivés, tout le monde est arrivé avec des seaux, la grande, je sais pas quoi, comment on appelle ça, la grande lance, etc. Et le colibri allait chercher une goutte, la prenait et l'amenait. Au bout d'un moment, quelqu'un lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu peux pas, c'est pas possible, tu plaisantes. Il a dit, je fais ma part. Eh bien moi, je fais ma part. Je pense que j'ai pu faire avancer un certain nombre de choses. Je fais juste ma part. Peu importe ce qui se passe autour. Je sais que je dois lutter contre les discriminations. Là où je suis, je le fais. Que ce soit avec un gouvernement de gauche ou un gouvernement de droite, je respecte les institutions, je respecte les gens que j'ai en face de moi. Mais si j'ai un propos à tenir sur la question du racisme, sur la question de l'antisémitisme ou sur la question des discriminations, je le fais. So there's a beautiful analogy with a hummingbird. So the hummingbird, this story, that there was a big, big fire, and there was also this hummingbird, and the firefighters came, and they started pouring water to take out the fire, and the hummingbird started taking one drop at a time and tried to put out the fire, and somebody said, well, what are you doing?
And the hummingbird says, well, I'm doing my share. And this is exactly what I'm doing in my position, regardless of the party, whether it's left or right. I say what I have to say, and I do my share of the work. Cette question, évidemment que j'ai travaillé à lutter contre tout ça, mais parallèlement à ça, j'ai défendu des textes extrêmement importants, c'est-à-dire que je n'étais pas différente de mes autres collègues quand il fallait travailler sur un texte. Ma préférence, c'était l'économie, donc j'ai été longtemps à la commission des affaires économiques, j'ai travaillé dans cette commission, mais comme les sujets discrimination, racisme et égalité n'étaient pas suivis par mes collègues, j'avais de l'appétence pour ces questions parce que j'en ai souffert. Okay, so I basically work in all different type of contexts that were not necessarily related to discrimination, but when they were, I was hungry to work on them because I had some background to do so. Et quel que soit le gouvernement en place, je continuerai à défendre mes idées, quel que soit le gouvernement. And regardless of the government that's in place, I will continue to defend my ideas. Voilà, d'autres questions. Barisa, il y a une expression qui m'a toujours intrigué, c'est se fondre dans la République. Est-ce que tu peux parler de ce que ça veut dire au XXIe siècle, au regard des populations nouvellement immigrées ou issues d'immigration en France, et par rapport à ce que ça pouvait être il y a 50 ans, et quel est le sens de cette expression? So there's an expression that said to become one, to melt yourself within the Republic. What does that mean to you? Especially before and after. C'est une question. Qu'est-ce que vous pensez sur la nouvelle instance de organiser l'islam en France? Et est-ce qu'il est différent de les anciennes instances du CFCM, par exemple? Ah, excusez-moi, L'organisation de l'islam de France, c'est ça? Qu'est-ce que vous pensez sur le sujet? Est-ce qu'il est différent de d'autres instances? Okay, is it possible for your current work to be represented at OSCE in the coming years? Is it possible que votre travail soit représenté à l'OSCE? L'OSCE dans les années à venir. I found too few people represented Islam. J'ai l'impression qu'il y avait trop peu de personnes qui représentaient l'islam. Mm-hmm. Oui, bien sûr. Okay, we have oui. Another plus fort. Vous refusez catégoriquement donc les statistiques ethniques et je voulais savoir pourquoi, est-ce que vous arrivez à expliquer pourquoi en France on refuse encore la discrimination positive sociale? À part Sciences Po, par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de discrimination positive sociale dans les universités et dans les écoles? Why aren't there more positive, affirmative action, positive discrimination in France, especially in the universities? Alors, je vais commencer par la question ici à ma gauche. Se fondre dans la République, qu'est-ce que ça veut dire? Je dois dire que depuis que j'ai écrit ce texte, il s'est passé deux choses. Une chose, la première, c'est, je pourrais qualifier, d'évolution. C'est la reconnaissance par le président de la République du sort qui a été fait à Maurice Audin, qui est quelqu'un qui a été assassiné pendant la guerre d'Algérie, donc il y a une reconnaissance par le président de la République de ça. Ça, c'est exceptionnel parce que ça permet à la France de se regarder en face. So to answer your questions, two things have happened since I basically wrote this speech. The first one was the recognition of Maurice Audin that happened during the Algerian War, and it's a very significant event because it allows France to recognize what actually happened, to look at themselves in the face. Et la deuxième chose qui est là, je pense, une régression, c'est le discours d'un monsieur qui s'appelle Éric Zemmour. Et qui contestait des prénoms qui n'étaient pas des prénoms du calendrier. Et ça, c'est une régression, vraiment une régression pour moi. Et donc, se fondre dans la République, ça veut dire quoi? C'est le débat entre. So the second thing, which is basically the decline. The first one was progress. This one was sort of some sort of regression, decline. Is Éric Zemmour, right? Oui. Who refuses to recognize names that are not on the calendar, so saints' names. Alors, avec un prénom comme le mien, je serais une honte pour la République, d'après lui.
So according to him, with a name such as mine, I would be a shame, yeah, for the Republic. Alors le débat que vous soulevez est un débat entre intégration et assimilation. So the debate that you're bringing up is basically the debate between integration and assimilation. Alors pour ma part, je préfère le premier parce que je me refuse moi personnellement à être dans le déni de ce que je suis. Je pense que quand je dis je suis farouchement républicaine et sereinement musulmane, je suis française à part entière. Mais je ne suis pas dans le déni de ce que je suis et de la transmission qui m'a été faite par mes parents. So for me, it would be the first one, integration, because I refuse to be in denial when I was saying that I was a strongly Republican and a confident Muslim. This is who I am. I refuse to neglect or to deny where I come from. Et que en ce moment, c'est vraiment l'intégration, comment dire, c'est pas simple. C'est pas simple du tout avec tous les événements qui se passent autour de nous, notamment tous ceux qui sont liés à, au terrorisme, au fondamentalisme, tous les mots en isme qu'on utilise maintenant. Parce que le regard que la société française porte sur les musulmans de France, on va dire ça comme ça, est différent depuis qu'il s'est passé tout ça, même si c'est une société qui est résiliente et qui a compris les choses. Mais il y a les préjugés qui étaient peut-être enfouis et qui ressortent. C'est ce que j'appelle les miasmes coloniaux qui sont toujours à l'œuvre. So the second portion is very challenging these days because of all the words that end in ism, obscurantism, racism, terrorism, and c'est pas grave. Pardon. Les relents du. Oui, les miasmes coloniaux qui sont toujours à l'œuvre. Ça ressort. Okay, the underlying tones of colonialism are basically they were buried and it's sort of coming back. Ils sont toujours à l'œuvre. Et donc c'est pas facile, mais quand même, je veux vous rassurer. Il y a au moins 99% des musulmans de France qui sont intégrés, qui sont républicains. Il y a 1% qu'il faut condamner, poursuivre pour tout ça. Mais la grande partie sont complètement intégrés et se sentent français à part entière, complètement français à part entière. Ils sont en train de se construire individuellement. Et c'est difficile de se construire. Allez-y. So basically, I want to reassure everybody. I think 99% of Muslims in French. They feel integrated. They feel that they belong to the Republic, and it's this 1% that's alors, c'est difficile creating trouble. Pour eux, ils sont en train de se construire individuellement. Je pense que dans la décennie à venir, ils se construiront, collectivement, dans le sens d'une République française apaisée. Cela. C'est ce qu'on n'entend pas. C'est la masse silencieuse qu'on n'entend pas. Et ils se sentent complètement français. So I think they're building themselves individually, and I strongly believe that within the next decade, they're probably going to build themselves collectively. And right now, this silent, it's this silent mass that's just building this collectivity that's going to appear within the decade. Et je dois peut-être rajouter à ça toute la question qui est posée, toute la crise qui est posée à l'Europe par l'arrivée de migrants. Ça pose un véritable problème. Comment un continent comme l'Europe n'est pas en capacité d'accueillir quelques millions de personnes? On laisse volontiers la Méditerranée comme un cimetière. C'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Madame Merkel a été la conscience de l'Europe. C'est une femme de droite. Elle a été la conscience de l'Europe à ce moment-là. So this wave of migrants has really brought this issue, has put some light into this issue, and I'm wondering how Europe is not capable of accepting all these migrants, and because the Mediterranean is basically a cemetery right now, and Angela Merkel has been the conscience of Europe. Sur la question de l'organisation de l'islam de France, c'est-à-dire le CFCM, la question que vous avez posée, monsieur. Alors, le CFCM, c'est une structure qui a été créée par Nicolas Sarkozy. Il a bien fait de le faire à l'époque. Mais je pense que les dirigeants du CFCM
n'ont pas compris qu'ils avaient un rôle vis-à-vis des musulmans de France. Alors, on a créé des notables qui parlent au ministre, au président de la République, et dans les régions, au préfet, voilà, ils sont invités, ils sont contents, et ils ne parlent jamais aux musulmans. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est comme les ministres du culte qui ne parleraient pas à ses ouailles. C'est incompréhensible. So basically, this structure, en français? Thank you so much. So the structure, the structure was created by François Sarkozy, but François Sarkozy. My God. But sorry, everyone. Nicolas Sarkozy. Ça va, ils écoutent, c'est bien. Well done. By Nicolas Sarkozy, and for good reason, except that they created or they elected, they appointed delegates. But the thing is, delegates talk to the ministers, they talk to prefects, they talk to the heads, but they didn't talk to actually Muslims themselves. It's like, let's say, a priest who doesn't talk to someone who comes to church. So that is not the right thing to do. Alors, il y a plusieurs problèmes. Il y a d'abord cet islam consulaire qui est dirigé, cet islam de France qui est dirigé par les consulats du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, maintenant de la Turquie. Donc ça nous pose un vrai problème, hein, un vrai problème. Allez-y. The structure which is managed by different consulates, the consulate in those Muslim countries. So that's an issue. Il faudrait que l'organisation de l'islam de France soit détenue par des gens qui sont nés en France et qui ont des rapports assez lointains avec les pays d'origine. It should be managed by people who were born in France and maintain some sort of links with those countries. Il y a la question de la viande halal, par exemple, et de la taxe sur la viande halal. On ne sait pas où ça va. Il n'y a pas de transparence. So there's no transparency. We don't really know what's happening with the tax on the halal meat. We don't really know where it goes. La communauté juive s'est parfaitement organisée sur le sujet, hein. Et la communauté musulmane, visiblement, ça devrait servir à de la culture, ça devrait servir à former les imams, ça ne revient pas à la communauté musulmane d'une façon ou d'une autre. Donc il y a quelque chose à faire. So all this tax money just doesn't come back to the Muslim community, so we don't really know where it goes, and something needs to be done about it. Il y a la question du pèlerinage. Quand nous envoyons nos parents âgés faire le pèlerinage, qui est une des obligations quand on en a les moyens, un des cinq piliers de l'islam, nous sommes inquiets parce que nous avons besoin d'avoir pour nos propres parents une assurance sanitaire, assurance tout court, sécurité tout court, et les coûts du pèlerinage sont prohibitifs. Oh, there's the question of pilgrimage. When we want to send out our parents, for example, we have concerns in terms of safety, in terms of sanitary concerns, and also because of cost, it's prohibitive. Alors, il y a des débats qui sont organisés en ce moment pour voir comment tout ça peut être amélioré. Okay, there's ongoing debates to see how that can be bettered. Bien, sur la discrimination positive, monsieur, vous m'avez posé une question. D'abord, en français, discrimination positive, il y a quelque chose qui cloche. Okay. First, there's an oxymoron in the term positive discrimination. There's something wrong with it. Et encore une fois, ça n'est pas dans nos traditions. Nous avons une tradition d'égalité. Et c'est ce qui est le plus difficile à mettre en œuvre, parce que lutter contre le racisme, on peut le faire de différentes manières. Mais lutter contre les discriminations, c'est un travail très dans la dentelle. C'est long. Ça oblige à expliquer aux gens. Ça oblige aux parlementaires à légiférer de plus en plus durement pour condamner des actes qui sont des actes racistes ou antisémites, et on le fait, mais les gens n'osent pas porter plainte. Et les gens qui sont victimes de discrimination, il y a une structure qui est le défenseur des droits. Allez-y. Okay. So fighting discrimination is a long-term, detail-oriented sort of work. It's not you have to do a lot of training, a lot of talking, a lot of explaining. So it doesn't happen overnight. It takes a long time. There's some structures that are being put into place. Alors, la discrimination positive amène parfois à choisir des personnes uniquement parce qu'elles sont de couleur différente ou uniquement parce qu'elles sont d'une ethnie différente.
parfois. Et maintenant, je pense qu'il y a des effets pervers à ce système. Il y a des effets pervers à ce système. Donc le mieux, c'est de combattre toujours et puis de mener le combat pour l'égalité, qui est un véritable travail. So discriminating, positively discriminating means choosing somebody who, you know, different ethnic background or different color. But it is challenging because it has some side effects. Some, you know, there's a dark side to this. So what is important to do is to basically fight against discrimination, period. Voilà. Yeah. Okay, in the back, we have two and then one over here. Pardon. Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez tout à l'heure cité une citation du général de Gaulle qui était... Alors, la citation du général de Gaulle, je vais vous dire ça tout de suite. Rien ne se construit en dehors. Que rien ne se construit en dehors des réalités. Très bien. Donc, si on parle un peu de réalité, effectivement, et comment améliorer ce sentiment d'égalité ou l'égalité, vous avez parlé de la crise des migrants actuellement, qui, effectivement, est une tragédie. Et surtout d'Angela Merkel, qui a été la conscience de l'Europe. Dans le discours politique, à mon avis, si on veut travailler pour cette égalité, il faut donner des exemples. Il faut que les gens se disent « Ah ben oui, finalement, c'est pas... » Je trouve que le discours négatif, il est extrêmement bien tenu. Le discours positif, il n'est pas très bien tenu. Et pourquoi est-ce que dans le discours politique, on n'a finalement pas assez de bons exemples? Je suis sûr qu'en Allemagne, il s'est passé des merveilleuses choses par l'accueil d'un million de migrants. Des médecins, des... Donc il y a des ressorts positifs à tout cela. Or, pour garder tous nos discours, on va dire que c'est bien l'égalité, etc., mais tout ça c'est très abstrait. Parlons concrètement, ok. Donc quels ont été les... Alors ne pensez-vous pas qu'il faille un peu ancrer notre discours politique un peu plus dans le réel? So very quickly. So basically, we're talking about the good and the bad that have. We assume there's a lot of good things that happen with this migrant crisis in Germany, for example. But we talk about concepts most of the time. But we need to talk about concrete information. So what are concrete information? Concrete examples. Vous pouvez pas savoir comme j'adore ce que vous venez de dire. I love what Parce you just que je, said. Je le pense tellement et je le dis tellement qu'il faut montrer les aspects positifs des choses toujours. Et c'est une lutte permanente entre le négatif et le positif. Et dans ce cas précis, le négatif l'emporte. On ne montre pas assez de modèles positifs d'identification. Regardez quand ce jeune homme noir, qui n'avait pas de papier, a sauvé cette gamine quand il est monté sur le truc. Mais tout de suite, on a trouvé des choses à dire. C'est bizarre, c'est combiné, etc., etc. Donc, c'est un... So I really love what you just said, because we need to show the good examples and the good concrete examples that take place. So, for example, you also this viral video that came out of this young black man who climbed the scaffolding to save a child. You also and all of a sudden we just said, oh, there's something wrong with this. There was a setup. It was all made up. It's not right. So it's just to show you that. We have to show for what they are, the good examples. Mais je m'emploie à continuer à le dire et à le redire. Rassurez-vous. And I really am make it my. Oui, oui, mais ça, on en parle. Hein. I make it my job to repeat it again and again. And if Macron can hear it, even better. Okay. Madame la sénatrice, bonsoir et merci pour cette conférence. Je risque peut-être de faire moins rire la salle avec ma question. Je vais essayer de la faire la plus courte possible. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, donc, vient de quitter ses fonctions récemment pour être remplacé temporairement par le Premier ministre. Et pendant son discours, Gérard Collomb a dit « Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vit face à face. » À travers cet aveu d'échec, Monsieur le ministre avertit sur les dangers croissants présents dans les banlieues françaises et dans certains quartiers. Il est intéressant de noter que lors de votre plaidoyer pour le combat contre les discriminations, vous n'y avez aucunement abordé ce sujet. Le sujet de la croissance de la violence dans les banlieues. De nombreux exemples ces derniers jours ont fait écho à la phrase de Gérard Collomb. On pense à ce pompier tué dans l'exercice de ses fonctions, des policiers qui ne cessent d'avertir sur le fait qu'ils ne peuvent plus rentrer dans certains quartiers,
la chanson « Pendez les Blancs » de Nick Conrad. On pense aussi même à Martine Aubry, pourtant maire de Lille pendant plus de 15 ans, qui s'étonne des zones de sa ville où la République d'État n'existe plus. Cette intolérance anti-musulmane que vous défendez, qui est absolument regrettable évidemment, ne doit pas cacher la réalité des choses, qui est l'essor de plus en plus important de l'islam politique, qui est le fait que les femmes, les homosexuels et certaines populations de France ne peuvent plus rentrer dans les banlieues, sont en insécurité, voire en danger. Je suis aussi ici de l'immigration maghrébine musulmane. Ma famille est partie de Tunisie pour arriver à la France, en France, pour y trouver la France. Et aujourd'hui, ma grand-mère ne reconnaît plus son quartier, elle vit à Créteil, je ne reconnais plus le quartier où j'ai grandi. J'ai des amis qui sont tombés dans l'intégrisme, qui sont tombés dans un islamisme violent et qui ne se reconnaissent pas dans la France, qui n'aiment plus la France. Donc, voilà la réalité de cette histoire, madame. Le danger de cette montée du populisme que vous montrez au peuple comme un épouvantail n'est pas le réel danger. Le réel danger, c'est celui de cette peur de ces peuples sur leur propre sol. Alors voici ma question, madame la sénatrice. Vous citiez le général de Gaulle. Vous citiez le général de Gaulle. Rien ne se construit en dehors des réalités. Alors quand prendrez-vous en compte ces réalités? Ah mais moi, je ne suis pas honnête, hein. just to translate the question, so you quoted Charles de Gaulle, nothing gets built out of reality. So when are you going to talk about those realities? The realities being the growth of violence in the slums outside of the cities and where people are afraid to live. Est-ce que vous décrivez n'est pas faux? Ça, je peux dire que c'est pas faux. À partir du moment où Gérard Collomb s'exprime de cette manière en tant que ministre de l'Intérieur, et ça, vous ne l'avez pas dit, les narcotrafiquants font leur miel dans les banlieues. Donc, il faut travailler à lutter contre ces narcotrafiquants qui permettent à des jeunes de vivre avec, en ne travaillant pas et en vivant bien. Donc, il y a des filières d'immigration, ces espèces de commerces souterrains. Il faut travailler à combattre tout ça. Et surtout les gros poissons. Les gros poissons, il faut y travailler. Ça, c'est évident. Moi, je combats le populisme parce que le populisme est en train de faire en sorte qu'en France, on n'ait plus un gramme d'optimisme. So basically, I don't disagree with what you say, and to prove your point, we realize that drug trafficking is really endemic in those areas. A lot of money is being made on it, and basically the populists are basically feeding off of this, and they're feeding off of the fear of people. On a commencé à remettre la police de proximité qui avait été supprimée pendant longtemps. Donc c'est une bonne mesure. Le président Macron a décidé de couper les classes en deux. Il y a 12 enfants par classe. Vous savez comme moi que quand un enfant a 300 mots pour s'exprimer, il s'exprimera dans la violence. So we've reinstated a special police system in those areas, which is a very good thing. Classrooms have been divided into two, so 12 kids on each side of a classroom. And we know that undereducated or, you know, kids that have only 300 words to their vocabulary, the only words they will be using will be the words of violence. Alors, ces enfants auront plus de 300 mots pour s'exprimer. En attendant, il faut gérer le stock, bien évidemment. Ce stock qui pose des problèmes. Mais ces problèmes, ce n'est pas Emmanuel Macron en un an qui va les régler. C'est des choses qui n'ont pas été réglées depuis 20 ans. Et donc, ils s'y attachent. Ils commencent la police de proximité, les dédoublements des classes, un certain nombre de mesures pour pouvoir recruter des jeunes qui habitent les quartiers, qui sont compétents. Les entreprises peuvent obtenir jusqu'à 15 000 euros quand on recrutera un jeune de ces quartiers. Donc, il y a des mesures qui sont prises. Le ministre de l'Éducation, Blanquer, fait son boulot. Je pense qu'on commence à essayer, non pas de calfeutrer ou de mettre des attendez, allez-y peut-être parce que so basically this is we're starting applying some measures. This is a problem that's been going, it's nothing new. This problem has been ongoing for 20 years. So we talk about reinstating this police,
dividing classrooms, and also providing subsidies to companies who will hire youth from those poor areas. Je pense que le président Macron veut vraiment réformer le pays, réformer de manière sérieuse le pays. Peut-être qu'il ne sera pas réélu, mais il prend ce risque de la transformation par l'émancipation et la responsabilité des acteurs à tout niveau. Il prend ce risque. Et je pense qu'il n'est pas en train de travailler pour son prochain mandat, il est en train de travailler pour la prochaine génération. Et je pense qu'il faut tenter de lui donner crédit de ça. So I believe Macron is really trying, he's taking a lot of risks. He's not necessarily trying to get re-elected. He may not be re-elected, but he's taking risks because he really wants to reform the country. Okay, we have time for one more question, and that's for you. You've been very patient. Currently, I'd like to know your opinion about the current situation in France. When you take a census, is it illegal to have any question on the national census about the ethnic identity of the person who's filling it out? Therefore, the accurate information that would seem to me to be fundamental in order to really attack any problems or to propose solutions is lacking. And I wonder what you think about that. Donc, quand vous faites, hein, quand vous faites l'évaluation de la population, que vous posez toutes ces questions, vous n'avez pas les informations nécessaires, justement, en ne posant pas la question sur les... sur l'ethnicité. Sur là? Sur l'ethnicité, oui. Des gens. Mm-hmm. Lorsque vous faites le recensement de la, de la population. Il n'y a pas de statistiques en France. Ça n'existe pas. C'est bien? Je pense que c'est bien, parce que l'utilisation des statistiques, il y a plusieurs utilisations possibles des statistiques. Il y a une utilisation qui peut aller dans le bon sens, une utilisation qui peut aller dans le mauvais sens. Et je pense que, puisque nous sommes un pays où l'égalité est inscrite au fronton de nos écoles et de nos bâtiments publics, nous devons essayer de continuer à construire cette égalité et ne pas copier un modèle qui ne nous ressemble pas. Je vois ici, par exemple, aux États-Unis, la discrimination positive, d'après ce que j'ai pu en lire, aurait des effets pervers. Donc, c'est un cycle. It's quite difficult to construct programs or proposals which are accurate and aimed to achieve a certain end if you don't even know the quantities that you're dealing with to begin with. Donc il est difficile de faire des propositions ou de créer des programmes si vous n'avez pas ce genre d'informations ou à des fins précises si vous n'avez pas ce type d'informations. On peut faire des programmes plus généraux pour l'ensemble et puis il y a quand même des programmes de entre guillemets de discrimination positive mais elles ne concernent pas les individus, elles concernent des territoires. So we have positive discrimination propositions, but they're not targeting individuals, they're targeting territories, areas. Mais vous avez dit vous-même que 99% des musulmans de France se sentent à part entière français. Comment le savez-vous sans les statistiques? Of those Muslim French people feel like they're French, actually, if you don't have the statistic to back it up. On doit mouiller. C'est, yeah. C'est ça le problème, je crois. Mais, quand même. Unfortunately, we have no more time, so it's left to me to thank Madame Chiari for this very interesting and stimulating session, and to thank all of you for your questions. Merci.